Cette dame qui aimait tellement la photographie et le cinéma avait des idées, comme de faire passer ce bébé de main en main, de la mère à la grand-mère et à l'arrière-grand-mère, jusqu'à la trisailleule et retour. Image vertigineuse qui remonte et descend le temps à travers cinq générations de femmes. La trisailleule est née sous Louis-Philippe, la bisaïeule sous Napoléon III, la grand-mère sous Jules Grévy, la mère sous Émile Doubet et l'enfant sous Gaston Doumer. Connaissez-vous l'histoire éblouissante de la vie filmée, un documentaire en sept volets diffusé sur FR3 l'été 1975 Le producteur avait eu cette folle idée de raconter le quotidien des Français depuis les années 20. Il n'alla point fouiller les archives des actualités cinématographiques ou bien les greniers de l'armée qui regorgeaient de pellicules. Non. Il demanda aux téléspectateurs de la troisième chaîne de lui envoyer ses films de famille, leurs films de famille. Les mariages, les communions, les naissances, la première automobile, les kermesses et autres petites fiertés du quotidien, du cinéma intime en quelque sorte. Le centre Georges Pompidou à Paris a projeté ses films sur grand écran 45 ans après. Aujourd'hui, vous pouvez les voir sur Madeleine, la plateforme de vidéos de l'INA. Ça coûte 2,99 euros. Courez courez-y. Oui, courez-y. C'est fantastiquement bouleversant de revoir ces bonheurs insouciants a posteriori en sachant ce que la France va traverser au XXe siècle. L'instant M. Sonny de Villers. Sur France Inter. Et comme nous sommes un vendredi, j'en eh profite pour remercier, embrasser, saluer et féliciter ma fantastique équipe, Anne-Cécile Perrin à la mise en ondes, Redouane Tella à la rédaction en chef, Glenn Gillet, stagiaire indispensable et à la, et à la technique, Kevin Pelot. Bonjour Jean-Pierre Alessandri. Bonjour. Soyez le bienvenu dans l'Instant M. C'est vous le grand ordonnateur de la vie filmée. Quel beau programme, la vie filmée. On aurait tant aimé que ça ait continué. Vous allez nous le raconter dans un instant, je vous demande d'abord une petite minute car... Chaque vendredi, nous jouons avec les auditeurs. Ce matin, chers fidèles de l'instant M, je vais vous offrir "Femmes puissantes". Femmes puissantes, le retour. Coédition Les Arènes, France Inter, la deuxième saison des entretiens menés par Léa Salamé. Moi, je vous le dis, j'ai bien aimé celui avec Arlette laguillé Franchement, je me demande comment Léa a eu l'idée d'aller interviewer, interviewer Arlette Laguiller dans ses Femmes puissantes. L'adresse mail l'instant M à Radio France. Et ma question, en voilà une voix de radio et de télé que vous allez reconnaître, c'est sûr, je veux son nom. Je pense que les enfants, comme mes filles et les autres, sont beaucoup, sont très adultes. Quand ils sont très téléphages, quand ils regardent énormément la télévision, ouais. c'est qu'il y a un vrai besoin de faire autre chose. Ouais. Télé ou Game Boy, c'est un peu la même chose, une façon de se perdre en fait, ouais. de penser à autre chose. C'est pas en fermant ouais. la télé qu'on réglera le problème, ça n'est qu'un thermomètre. Ouais. Et ensuite, il euh, ne faut pas confondre avec la fièvre. Alors, cette voix, l'avez-vous reconnue Si oui, écrivez-moi un mail à l'instant M tout attaché en minuscule à radiofrance.com. Dépêchez-vous, on n'a qu'un seul exemplaire des femmes puissantes et vous êtes 100 000 à vous être procuré le précédent. Puis par ailleurs, chaque fois que vous nous envoyez un mail, n'hésitez pas avec vos remarques, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'en profite pour saluer Anne-Marie, qui est une auditrice fidèle, qui nous écoute en Bretagne et qui faisait remarquer récemment que je dis souvent... Mes enfants à l'antenne, elle a raison, je cite souvent mes enfants, mais qu'à force ils ont dû devenir grands et que peut-être je pourrais les appeler mes adolescents. Monsieur, je vous fais parvenir le commentaire du film de notre mariage. C'était en octobre 1933. C'est un ami photographe qui nous a filmés sans que nous le sachions auparavant. C'est une surprise que nous faisaient nos parents. Nous descendons les marches de l'ancienne mairie de Montreuil-sous-Bois. Nous voyons le défilé des parents et amis. Quelques-uns se sont aperçus qu'ils étaient filmés. Devant les grilles, des voisins et connaissances sont venus nous voir. Nous apercevons l'autocar qui nous conduit à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul du XIIIe siècle. Nous ressortons de l'église par une porte dérobée, où il y avait des travaux en cours. Nous passons sous une échelle, car sur le parvis, un convoi était déjà en train d'attendre. Nous étions en retard sur l'horaire. Je regrette que notre film soit si court. Extrait de la vie filmée, ce documentaire en sept volets qui a été diffusé en 1975 sur FR3 et que vous avez imaginé, que vous avez produit, Jean-Pierre Alessandri, que vous avez mené. On va tout de suite expliquer d'où viennent ces extraits. La, la, la plupart, j'imagine même la totalité des films de famille que vous avez recueillis étaient muets, j'imagine, Jean-Pierre Alessandri. Ce, oui. ce ne sont donc jamais les voix et jamais les sons originales de ceux qui les ont tournés excepté pour le dernier euh, la dernière le dernier épisode voilà. qui est commenté par Agnès Bandin effectivement tous les les tous les autres sont des films qui nous ont été euh, remis par euh, souvent les, les enfants ou les petits-enfants des personnes qui étaient, les, qui étaient tournées, dont c'était les, les, les films de, de, de famille. Et, et, et on leur a demandé de nous adresser des commentaires, de nous parler, de, 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 de commenter les images qu'ils voyaient. Mais, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui nous, nous, nous prêtaient leurs films sans, sans les avoir vus. Euh, aussi, aussi, nous leur demandions de venir. Euh, dans nos studios pour visionner avec nous les films et pouvoir reconnaître euh, l'oncle, le, 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 la tante, euh, le petit bébé. Et quelquefois, ils se reconnaissaient alors qu'ils ils étaient à côté de nous, ils avaient une soixantaine d'années, et tout à coup, ils se retrouvaient euh, en train d'être dans les bras, euh, petit, petit bébé, dans les bras des... des, vous, des avez dû, vous avez dû vivre des moments incroyables, de, des moments... Extraordinairement émouvant, des moments partagés par, tout, par toute une équipe de, de, de réalisateurs, d'écrivains. Euh, C'était, on avait, on avait pu bénéficier d'une circonstance tout à fait exceptionnelle, qui était en fait la naissance de France 3. Euh, France 3 à l'époque était logé d'ailleurs à la Maison de la Radio, oui. là, là où nous nous trouvons. Oui. Et euh, cet été, le, le, le directeur, de, le directeur de, de France 3 euh, m'avait confié. Euh, la préparation d'une émission d'information qui s'est appelée plus tard vendredi. Je lui ai fait remarquer que c'était difficile de, de, de lancer un magazine d'information alors que nous risquions de, de nous retrouver avec les premiers numéros de ce magazine durant l'été. Et il m'a demandé euh, si euh, on avait quelque chose qui pouvait éventuellement être proposé pour les programmes d'été et, et comme c'était la naissance de France 3, euh, j'ai pensé que finalement des films qui sans doute allaient montrer euh, des naissances, des mariages, des moments de bonheur de, des, des Français pouvaient être adaptés et, et, et j'ai proposé ce, ce projet effectivement assez assez, assez utopiste de, 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 de créer une, une série de sept émissions. C'est ça. Avec et donc avec... vous tournez une sorte de petite publicité, une petite réclame, un petit spot promotionnel que vous diffusez ça. sur les antennes de fr3 et, et vous invitez la france entière à fouiller euh, les greniers, les valises, les malles, les tiroirs, les placards, à, à sortir les archives de famille. comme vous dites, euh, les premières caméras sont arrivées dans les familles. on imagine des familles bourgeoises. on va en parler, d'ailleurs, ouais. ensemble, dès les années 20. mais, mais beaucoup de gens n'avaient même pas les moyens en fait de visionner ces pellicules. donc on vous les adresse à la maison de la radio ici même, et ensuite vous mettez une équipe d'écrivains, de monteurs et de réalisateurs pour fabriquer ces films. On va écouter euh, un, des, un, des, un extrait des de, 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 de tout débuts et montrer à quel point cette France euh, d'avant-guerre est encore une France vraiment rurale. Écoutez l'arrivée la, la, de la batteuse dans un village. Les journées n'en finissaient pas. Le jour du vélo et du guignol, il y a eu aussi la batteuse qui est arrivée. Quand l'énorme machine était de passage, une fois l'an, c'était la fête. On racontait toujours des histoires terrifiantes d'hommes tombés du haut de la batteuse, de jambes broyées, de bras happés, et les parents criaient toujours de ne pas s'approcher, de ne pas grimper dans les charrettes et sur les meules. Mais eux-mêmes ne pouvaient résister à la fascination du battage. Dans le soleil, la poussière de paille était comme un bain d'or. C'est la voix de Roger Grenier, un écrivain et éditeur chez Gallimard. Roger Grenier qui avait écrit un livre qui s'appelait ciné romans et qui a participé donc à l'écriture du commentaire de ce premier épisode. Mmh. Et qui a une voix tout à fait magnifique pour nous, pour nous conter ces images. Ce sont oui. des histoires bourgeoises, ce sont des images bourgeoises, tout à fait. les premières images tout à fait. Les, les familles, évidemment, qui tournaient euh, dans les années 25 étaient des familles qui, euh, d'abord, étaient euh, cultivées, avaient des moyens, et, et, et c'était tremblant. Et, et dans, dans cette première émission, on a quelques séquences tout à fait extraordinaires de, de cette famille, notamment, euh, notamment euh, euh, la famille qui est une famille du Nord, de, qui filme l'entrée de l'usine, la fête qu'ils ont donnée dans leur usine, à, aux ouvriers de l'usine, et autour de. à, à, à l'entrée de. On, on, peut, on peut lire. À notre patron bien-aimé. Oui. Ça raconte déjà une histoire des relations sociales oui. de l'époque, si vous voulez, et, 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 et c'était assez formidable. Et, et après, dans ce même film, on voit euh, des, les, im les images de, de cette famille bourgeoise, d'aristocrates du, du Nord, profiter d'un lac gelé pour, pour tourner et pour faire des glissades avec leur voiture et leur moto, avec les ouvriers de l'usine qui sont tout autour et qui regardent. Ce sont des témoignages tout à fait extraordinaire qui dégage une un sentiment de, de tendresse de tendresse et, et de douceur de euh, douceur assez merveilleux oui. alors écoutez la voix d'Agnès Varda qui va réaliser un des sept volets écoutez bien ce qu'elle dit parce que ces sept volets sont comment dire traversés par la question de la mémoire tout à fait de la mémoire de gens qui sont tous des anonymes, Jean-Pierre Alessandri. Donc nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus. Mais oui, Madame Tellier, on vous reconnaît. On vous connaît. Vous êtes notre tante Milou, celle qui avait toujours le dernier mot. Vous êtes la voisine qu'on entendait rire dans le jardin. La cousine Jeanne qui criait après ses enfants. Ma mère qui avait peur de l'eau de mer. Une parente éloignée du côté de mon mari. La couturière et ses histoires sur chacun. Vous êtes notre mémoire à tous. La mémoire du cœur, même si l'autre mémoire flanche un peu du côté des stations balnéaires. En matière de souvenirs, un bateau n'est qu'un bateau. Mais les noms des amis et les jours heureux, ça ne s'oublie pas. En revoyant ces images, votre mémoire a pris un coup de jeûne, Madame Tellier. Et nous, les deux cinéastes de l'émission, Guy et Agnès, nous prenons un coup de modestie devant ce cinéma spontané, images et sons. Alors il y a beaucoup de choses dans cet extrait, Jean-Pierre Alessandri, euh, quand Agnès Varda nous prenons un coup dit nous prenons un coup de modestie et c'est aussi l'extrait que j'ai passé en accroche de l'émission où on entend la voix qui dit quelle idée incroyable de mise en scène de se passer un bébé de main en main dans, dans toute cette oui. euh, voilà dans toute cette dynastie de femmes euh, il y a quelque chose d'incroyablement soigné il y a l'idée qu'on va fabriquer une image et qu'on met du cœur à l'ouvrage pour fabriquer une image. Elles sont souvent très belles, ces images. Ces images sont très belles parce que ce sont des images qui véhiculent une tendresse et un amour des personnes filmées, des témoignages de ces, de ces images et, et, et le, le récit de ces moments de, de, bonheur, de bonheur qui sont des, 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 espacés par, par les années, par, 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 par les par les, le, le trouble aussi de ces gens, de, de, de ce qu'ils vivent, euh, il, il se dégage effectivement, c'est bien, une, une impression tout à fait étonnante. Et, et, et nous, à l'époque, les, les cinéastes, quand nous avons travaillé oui. sur, ce, sur ce truc, on a, on a surtout essayé d'être le, le, le plus... Euh, le, le, de, de ne pas intervenir, de ne pas modifier ces images, de les donner aux spectateurs avec ce qu'elles avaient d'innocence oui. euh, et cette... d'imperfection. Absolument et d'imperfections et aussi de trouvailles géniales parce qu'elles sont pleines de trouvailles géniales Elles de sont... mise en scène. Oui parce qu'il y, y a des mises en sc... il, y a, il y a une, une, une liberté de, de voilà. filmer tout à fait claire puisque à l'époque la télévision n'existe pas donc donc la relation à l'image est une relation euh, de, 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 de personnes qui sont en train de, de, de découvrir cette, cette cette manière de d'être cette manière d'être filmée ou cette manière de de filmer et euh, on a eu effectivement tous, tous les, les réalisateurs, on a eu un sentiment d'être en train d'apprendre une grande leçon de, de cinéma. C'est ça. Euh, écoutez euh, ce moment des années 30 où euh, on filme une kermesse et où, au fond, la voix off ne peut pas la regarder dans les années 70. Et c'est bien ce qui gronde en Europe dans les années 30. Le sait bien a posteriori. Il y a dans ces bandes d'amateurs comme des déchirures qui se produisent. Je parle des déchirures d'histoire. Quelque chose venu de loin nous prévient de la naïveté de cette kermesse laïque où l'on s'efforce en trichant plus ou moins de mettre dans sa bouche un biscuit pendu au bout d'un fil. Dérisoire aussi la kermesse paroissiale où sur fond de musique d'accordéon et de piston, sur fond surtout de bavardages apostoliques qui constituent la grande affaire, les enfants en tenue défilent sans fusil mais bâtons sur l'épaule. Ce sont nos jungers à nous, les pacifiques, les futurs prisonniers. Et pendant ce temps-là, les ligues fascistes montent en Europe un peu partout. Et il y a évidemment un dialogue entre deux temporalités, Jean-Pierre Alessandri, c'est-à-dire le regard des réalisateurs sûr, ouais. en 1970, et l'époque où sont tournées ces archives. Et donc forcément, on sait que la France va entrer en guerre, on sait que ces jeunes-là qui défilent un bâton sur l'épaule auront bientôt un fusil à la main. Oui, on sait, on, sait, on sait tout cela, effectivement, et, et, et c'est vrai que c'est très impressionnant, avec le, avec le recul avec notre, et avec notre connaissance de, de cette histoire-là et de notre histoire, d'avoir de, 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 ces, 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 ces témoignages et l'innocence de ces témoignages. Je, je voudrais juste préciser que nous avons, grâce à à peu près, près d'un millier de personnes, de Français, qui nous ont prêté leurs films, puisque ces films nous ont été prêtés à l'époque, nous avons visionné de 300 km de, de, de 300 film, km de bobines de bobines et, et, et nous avions nous avions des, des assistants nous avions 6 à 7 personnes avec des petites des petits appareils de projection et nous visionnions nous passions nos, nos, nos journées à visionner tous ces films, et, et, et à partir à découvert donc cette ce fut une aventure tout à fait tout à fait étonnante et, et, et je suis très heureux que grâce à Dina et grâce à Pompidou cette aventure puisse continuer aujourd'hui et vous imaginez même aujourd'hui Aujourd'hui, une projection itinérante, un peu partout en France, parce que au fond, vous avez vous-même, Jean-Pierre Alessandri, découvert ces films au Centre Georges Pompidou sur grand écran dans les années 70. C'était fait pour la télévision. Personne n'avait vu ces images amateurs sur grand écran. L'émission avait été diffusée effectivement une première fois donc en 75. Elle a été rediffusée dans les années 80-90 sur France 3 également. Et puis ensuite, elle a fait l'objet d'une présentation à la Cinémathèque. Euh, beaucoup beaucoup de gens, il y a eu des, euh, beaucoup de prix, dans cette, cette émission a été un, un succès euh, à l'époque, mais effectivement, cette, cette, personne n'avait jamais vu ces films sur grand écran. Ouais. Et, et grâce, à, grâce au Centre Pompidou, nous avons pu montrer ces films sur grand écran devant un public nouveau, et nous avons observé euh, la manière dont, dont ce public réagissait, euh, avec euh, une émotion euh, tout à fait euh, retrouvée, incroyable. Oui, intacte. Oui. Un grande... Alors, moi, je me suis Poser la question. Vous êtes en 1975. Euh, finalement, l'ancêtre du caméscope, le Super 8, les petites caméras mobiles, là pour le coup, se sont vraiment démocratisés. Pourquoi avoir arrêté au milieu des années 50 le recueil de ces archives de famille Car vous avez dû recevoir des films des années 60. Moi, j'en ai de mes grands-parents et du début des années 70. Là pour le coup, vous deviez en avoir pléthore. Oui, vous avez parfaitement raison. On a reçu beaucoup, beaucoup de films, des films en couleur, des films et voilà. magnifiques des années 70, des films, du son. quelques films scénarisés. Euh, et c'est vrai que euh, quand on a lancé cette, cette, cette série, on ne savait pas très très bien quel allait être le moment où nous allions pouvoir l'achever. On savait qu'on avait sept films à faire, oui, sept, ouais. sept rendez-vous pendant la grille d'été de France 3, euh, mais euh, on n'avait pas déterminé la date. Et, et, et c'est en visionnant euh, un jour une séquence, on regardait une séquence, on, mes, mes assistants m'ont appelé, et effectivement, il y avait quelque chose de nouveau qui se passait. Ce qui se passait, c'est que les personnes filmées, c'était le, le sujet était un, un, un déjeuner dominical et ce qui était très très nouveau, c'est que les gens filmés ne, ne regardaient pas la caméra contrairement à ce qui était classique et ce qui faisait tout, tout, ouais. tout, 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 tout le temps. Nous nous sommes interrogés mais que pouvaient-ils regarder Ils Regardaient tous quelque chose qui était off. C'est-à-dire euh, en dehors du champ. En, en dehors ouais. du champ de la caméra. Et effectivement, il regardait le poste de télévision, <laughs> le poste de télévision qui était installé sur le buffet de la salle à manger. Et en regardant cette image, il était évident que c'était à ce moment-là que nous allions pouvoir arrêter, puisque à ce moment-là, effectivement, avec l'intrusion de la télévision dans les familles, tout allait changer. C'est ça, le, a... rapport image, le, le rapport à l'image, le rapport au cadre, le, le rapport... rapport à l'écran et évidemment euh, le, le rapport à l'idée de se filmer et d'être filmé. Merci infiniment Jean-Pierre Alessandri, je le redis, Madeleine, c'est la plateforme de vidéo à la demande de Lina, euh, ça coûte moins de 3 euros pour un abonnement par mois et, et pour voir l'intégrale de la vie filmée, c'est absolument éblouissant de revoir ces films qui ont eu une longue vie, vous l'avez expliqué, merci. et, merci, merci, et merci. qui vont reprendre la route. Je fais cite Mathieu qui a reconnu Jérôme Bonaldi, c'était la voix de Jérôme Bonaldi. Bravo. On salue d'ailleurs parce que l'instant aime beaucoup Jérôme Bonaldi et puis c'est la fin de l'émission.